Alors moi, vraiment, mon meilleur souvenir au jeu, ça restera la cérémonie de clôture. Parce que du coup, on n'a pas pu faire la cérémonie d'ouverture, mais la clôture, je trouve que c'était vraiment ouf. Avec tous les pays, l'entrée sur le stade, la musique, tout. En plus, il faisait pas mal de petits concerts, mais à chaque fois, il y avait une animation différente. Et franchement, j'ai vraiment très, très bien vécu la cérémonie de clôture. C'est émouvant. Ah, trop. J'ai fait plein de vidéos, plein de photos. Non, c'était vraiment génial. Pour moi, ça a été le plus marquant. Et à présent, vous êtes revenu de la compétition. Est-ce qu'on souffle un peu? C'est les vacances. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben là, du coup, depuis la fin des Jeux, ça va faire 2 mois que je suis en vacances. Donc pour l'instant, je ne sais pas du tout mon programme. Mais cette année, il y a les championnats d'Europe en Serbie, je crois, cet hiver. Et les championnats du monde à Londres. Et après, à long terme, il y aura les Jeux en 2020. À Tokyo, bien sûr. Là, c'est parti. Ah oui, hein.